Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous présenter un sujet sur RAML, qui va être un outil qui va nous permettre de spécifier des API. Alors de quelles API je vais parler? Ça sera des API donc, basées sur le protocole HTTP qu'on définit habituellement comme étant des API REST. En fait, c'est un peu plus large que la définition de REST au sens de Rich Filtering. Alors, documenter son API, dans mes expériences passées, ça a souvent été une tâche qui est négligée. Et pourquoi? Parce que c'est souvent rébarbatif pour les développeurs. Et donc, l'idée, ça serait potentiellement de pouvoir simplifier le fait de générer la documentation, d'apporter de la plus-value en plus de la documentation, et essayer de rendre obligatoire le fait de mettre à jour sa documentation, histoire que 3 mois après, elle soit toujours valide. Et donc, les tests automatisés, ce serait pas mal. Donc, pour ces trois objectifs-là, ce qu'on peut utiliser, donc, c'est un outil qui s'appelle RAML, donc, qui date de octobre 2013. La version 1 devrait normalement bientôt sortir, pour l'instant, c'est en 0.8. Ça se base sur le format YAML, ce qui permet d'être à la fois lisible et structuré. Et il y a un groupe de travail qui est porté par des gens de ces différentes entreprises et très fortement en fait par Microsoft. Alors maintenant, commençons un peu avec un petit exemple. Donc on va avoir une API sur les Human Talks hein, qui est dans sa première version et qui va utiliser le protocole HTTP pour communiquer. Donc en RAML, ça va se traduire comme ça, on va avoir une première ligne de commentaires qui va expliquer qu'on fait du RAML et qu'on est en version 0.8, un titre qui titre l'API, une version et une URL de base où on pourra appeler une API. Ensuite, vu que c'est une API REST, elle va utiliser des ressources donc, pour avoir une liste de sessions, avoir une session en particulier et aussi pour avoir des sous-ressources, par exemple les totes d'une session, donc une présentation donnée. Donc voilà comment ça va se traduire. On va avoir des clés qui vont commencer par slash, ça va représenter nos ressources. Ces ressources-là, elles peuvent être chaînées en arborescence avec potentiellement, comme on a dit là, des paramètres dans les URL. Et donc, on peut avoir plusieurs niveaux de ressources et potentiellement plusieurs ressources aux différentes à la racine de l'API. Ensuite, maintenant qu'on a les ressources, on va vouloir interagir avec elles. Donc, pour ça, on va utiliser les méthodes HTTP. Donc, par exemple, on va vouloir récupérer la liste des sessions, vouloir créer une session en particulier, récupérer du coup les informations de cette session qu'on vient de créer et potentiellement la supprimer. Donc ça va être assez simple à décrire avec RAML, c'est sous notre ressource, on va dire qu'on autorise la méthode get et la méthode post. C'est assez simple à lire et c'est le gros avantage. Maintenant qu'on sait comment décrire les méthodes, quand on va requêter l'API, on va vouloir aussi parfois donner des paramètres. Par exemple, pour une collection, habituellement on va vouloir la trier. Donc pour ça, on va utiliser des query strings. Avec ça, par exemple, j'ai utilisé deux paramètres, un qui permet de préciser sur quel champ on veut ordonner et l'autre dans quel sens on veut ordonner. Donc à ce niveau-là, donc toujours même chose, on est dans le contexte de notre source session. Pour la méthode get, on va juste décrire les query parameters, donc on en a deux, order by et order, pour lesquels on a des options, donc la description qui peut utiliser du markdown. On va pouvoir typer les paramètres et donner d'autres options, par exemple, est-ce que c'est obligatoire ou pas, est-ce qu'il y a une valeur par défaut. Maintenant qu'on sait mettre des paramètres en query string, on va vouloir aussi, par exemple, créer une session donc en utilisant du post. Donc pour ça, on va vouloir poster un objet JSON dans le corps de notre requête. Donc, dans notre ressource session, pour la méthode post, on va dire que dans le corps du message, on s'attend à avoir un content type application JSON. Et après, là-dessous, on va définir deux choses. Donc, un exemple qui va permettre à la personne qui lit, par exemple, la documentation,
avoir très vite un aperçu, et un schéma qui va spécifier un peu plus rigoureusement ce qu'on s'attend à voir dans notre objet JSON. Donc là, donc c'est un objet JSON qui va avoir comme propriété un nom, une date et un lieu, avec le nom et la date qui sont obligatoires. Maintenant qu'on sait comment requêter l'API, c'est plutôt bien de savoir ce qu'elle va nous répondre. Donc là, par exemple, on va requêter une session en particulier, elle va nous répondre que tout se passe bien, et va nous renvoyer un objet JSON en réponse. Donc à ce niveau-là, donc toujours la même chose, on se place dans le contexte de notre ressource, avec la méthode qui va bien, et on va dire qu'on peut avoir des réponses, donc un code 200 ou un code 404 si on n'a pas trouvé. Et dans ces réponses, on a le fond du message qui va contenir un content type JSON avec un petit exemple qui va bien. On pourrait aussi rajouter à ce niveau-là un schéma comme on avait tout à l'heure dans le post. Avec Raml, on a donc là, c'est vraiment les grosses bases. Avec ça, on peut déjà commencer à décrire plein de choses, mais il va nous permettre d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Par exemple, je vous ai dit que pour le schéma, on pouvait l'utiliser pour le post en requête et on allait avoir le même dans la réponse du get. On pourrait mutualiser ce schéma-là en le déclarant une première fois et en le réutilisant plusieurs endroits. De même, les fonctionnalités, on va avoir souvent les mêmes sur des collections. On pourra aussi de même le mutualiser. On a aussi les types de ressources et on va pouvoir aussi organiser les fichiers RAML en différents fichiers. Et après, on a le fichier principal qui va pouvoir inclure les fichiers, ce qui nous permet d'avoir, par exemple, si on a plusieurs API, utiliser les mêmes briques de base et les inclure dans le fichier global. Bien entendu, on a vu qu'on pouvait spécifier les corps des messages, mais on peut aussi spécifier les headers en HTTP. Et il y a aussi prévu les méthodes d'authentification pour pouvoir les décrire un peu plus précisément. Alors maintenant qu'on a vu les bases des fichiers RAML, quels sont les outils qui existent actuellement dessus? Donc déjà, très pratique, un éditeur qui permet de faire la coloration syntaxique, l'autocomplétion, etc., qui est disponible en ligne ou téléchargeable. On va avoir plusieurs générateurs de documentation qui existent, donc avec des look and feel assez différents, mais globalement on reste souvent dans du classique. Et au niveau du développement, okay, j'ai pas encore beaucoup de temps, on va avoir des générateurs de code qui existent côté serveur et côté client, qui sont plus ou moins aboutis. Il y en a beaucoup qui sont encore en mode ça peut servir pour faire des prototypes, mais pas pour mettre en prod. On va avoir un outil qui permet de tester l'implémentation de l'API par rapport à la spécification RAML. Donc à ce niveau-là, en fait, il va permettre donc, de vérifier que c'est valable, mais que dans un sens, c'est-à-dire qu'il va vraiment utiliser ce qu'on a défini dans les spécifications, il va faire les appels par rapport aux exemples qu'on a mis dedans, et vérifier que le retour de l'API correspond bien, de même au schéma JSON fourni dans le fichier RAML. Et si parmi les outils qui existent, ça ne suffit pas et qu'on a d'autres besoins, il y a plusieurs parseurs qui existent dans différents langages pour implémenter ses propres besoins. Sur le marché, RAML n'est pas le seul, il y a des alternatives. Le plus connu étant sans doute Swagger, qui a une version 2.0 qui est sortie récemment et qui reprend entre autres certaines fonctionnalités de RAML, en particulier le fait de pouvoir présenter des spécifications sous la forme d'un fichier décrit en YAML. On a aussi API Blueprint, alors je n'ai pas regardé beaucoup plus que ça, mais qui est surtout orienté documentation. Et après, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite, si ça vous intéresse, alors je vais juste passer cette slide-là. Avant, par exemple, il y a un post de blog qui fait une comparaison des différentes solutions qui existent. Alors, il me reste 40 secondes pour vous dire si vous avez des questions ou des retours d'expérience. Merci. Il y a des questions. Une. Bonjour. Quand tu parles de tests, est-ce que ça fait des tests automatiques, du genre tu as déclaré ton truc en RAML, ça appelle ton serveur pour faire des tests? Ou alors, c'est ce qu'on a sur certaines pages, genre
console et tu tapes toi en tant que développeur qui a envie de tester l'API. Et ça fait l'appel et ça te montre un Ajax en garage. Alors là, l'outil dont je parle, c'est vraiment pour faire des tests automatisés. Donc c'est vraiment, voilà, moi ça m'a lancé des tests et comparé, te dire échec ou ça a fonctionné. Quoi. Après, pour, je pense, enfin, si j'ai bien compris, pour l'exemple que tu donnais, il y a aussi une application qui s'appelle Notebooks. Alors souvent, sur Ramel, tout ce qui est le plus abouti, souvent c'est fait par Microsoft et c'est hébergé par eux. Et c'est aussi open source, donc tu peux les récupérer. Ils ont une appli qui s'appelle Notebooks, donc, qui permet aux développeurs de préparer des tutoriels pour les personnes qui seraient intéressées par l'API et à jouer du coup les requêtes de façon interactive en JavaScript. Est-ce qu'il y a moyen de définir des patterns sur des applis déjà existantes qui n'ont pas été définies en Ramel, qui sont déjà en ligne, je pense à l'API Facebook par exemple, pour détecter automatiquement quand elle change, quand elle se met en ligne, quelque chose de différent. Est-ce qu'il y a moyen d'automatiser ça pour détecter une API tierce? Alors déjà, il y a beaucoup d'exemples qui existent avec les grandes API connues, du genre GitHub, ou je pense que Facebook c'est le cas aussi, qui sont déjà décrites en fait en fichier Ramel. Donc on peut trouver ça dans les fichiers d'exemple. Ensuite, est-ce qu'on pourrait automatiser pour vérifier qu'elles changent Oui, pour aller si jamais les réponses sont changées. Je pense que si jamais c'est bien spécifié, ça pourrait marcher. Si Facebook rajoute des informations ou rajoute des appels, ça on va pas le voir puisqu'on va pas pouvoir tester ce qu'on n'a pas spécifié dans le fichier. Il y a Waddle qui écrit depuis une bonne dizaine d'années. En gros, ça ne sert à rien, sauf quand on a rencontré avec PK, les développeurs front qui font faire d'offres qui ont déjà développé par quelqu'un d'autre. Du coup, ça permet d'avoir un contrat et du coup de sauver sa peau, quelquefois. Qu'est-ce que Ramel va apporter de plus par rapport à ça? Est-ce que c'est juste le côté pratique ou est-ce que l'échec de Waddle fait que on est rendu des structures? Alors personnellement, je ne connais pas Waddle, enfin je connais de nom, j'avais lu, genre, enfin, par exemple, dans les comparaisons, il était dedans, après je ne sais pas du tout comment ça se présente en fait. Ouais, c'est pas clair. C'est du WSDL Lite, c'est dans XML plutôt que dans YAML, je ne vois pas énormément de différence. Voilà, je pense qu'un des gros avantages de Ramel, c'est que c'est assez lisible et ça, enfin, c'est assez proche de l'API, donc enfin, c'est assez compréhensible. Ensuite, contractuellement avec un client, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Là, personnellement, j'avais mis un projet. La première chose qui a été faite, c'est envoyer plutôt un fichier Word en fait, au client. Et potentiellement, je pense qu'il faudrait voir est-ce que ça pourrait servir. Et de ce que je connais, par exemple, en avant, il y avait une classe RL, et puis on avait des outils qui vous permettent de générer des pages web comme tu avais montré dans la page avec le GET, en partant des annotations d'avant, ça génère des pages web de l'autre. Ça n'a jamais été plus étrange. Ouais, je pense que Ramel n'est pas révolutionnaire. Après, ce qui va permettre, c'est effectivement faire de la documentation, éventuellement avec les services en ligne, par exemple de Microsoft, de faire des. Ils permettent assez facilement de moquer son API. En fait, tu décris ton Ramel et après, ça fait du. Voilà, ça génère ton manque. Ensuite, peut-être que par rapport à d'autres solutions, le fait que dedans, on intègre le fait de décrire vraiment des schémas. De JSON, mais ça marche aussi avec du XSD pour du XML. C'est peut-être ça qui pourrait arriver en plus et qui pourrait permettre en fait, le fait d'être structuré, de générer aussi du code potentiellement derrière. Surtout les tests, les tests sont assez simples hein, pour le coup. Enfin, l'outil de test, il est très très simple. Alors personnellement, donc, j'ai découvert Ramel, c'était fin janvier, février. Donc professionnellement, je l'ai appliqué là en partie sur un projet. J'ai pas eu le temps vraiment de finir. Donc voilà. Pour l'instant, je l'ai utilisé chez moi pour tester un peu. Ensuite, j'ai pas eu l'expérience de l'avoir appliqué sur une dizaine de projets, clairement pas. Tu disais qu'il y a des parseurs, donc c'est certains du code déjà fait, j'ai oublié.
Ouais, les parseurs, ils mettent juste ouais, une couche objet qui permet d'interroger. Ça prend la doc aussi, de l'Ipad Ah non, oui, c'est particulièrement mal, ça ne parle pas d'une appli existante. Voilà, non, c'est juste, ça va parser vraiment le fichier de spécification et donc mettre ça sous forme objet pour pouvoir facilement interagir avec. Donc par exemple, les intérêts, c'est par exemple au niveau code côté serveur, il y a Marmelade en PHP, en fait, ils ont fait un microservice qui permet, tu mets ton fichier RAML. Avec leur parseur, ils récupèrent les ressources et les méthodes, et du coup, ils vont aller chercher directement, ils vont aller faire du CRUD assez simple en base de données. Et j'avais une question sur. En fait, tu parlais de réutiliser des morceaux de RAML, donc du coup, effectivement, c'est pratique. Moi, j'ai l'habitude en RAML, si tu fais ressources, ça fait un café, quoi. Par contre, j'imagine que sur le niveau de la doc, c'est un peu dommage parce que tu ne vas pas dire que toutes tes actions ont une liste, ça donne la liste de trucs, etc. Personnaliser un système de macro ou... Ouais, au niveau des tout ce qui est mutualisable, tu peux paramétrer en fait. Tu as des paramètres que tu peux réutiliser après derrière. Pas d'autres questions? Du coup, moi j'en ai une. Souvent, le problème en fait, c'est que les développeurs sont très feignants et donc il y a la doc d'un côté, le code de l'autre, et donc ça diverge très très vite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà vu des trucs qui permettent de mettre carrément le RAML dans les commentaires du code et les extraire? Après, la notation, moi c'est ce que je voyais dans les exemples avec Swagger. Avec RAML, pour l'instant, j'ai pas vu de gens qui faisaient comme ça. Enfin, peut-être que ça existe, je l'ai pas vu. Et ensuite, enfin, c'est là où je pense que l'outil de test qui est pas assez complet pour le coup, mais enfin, qui permet de faire que dans un sens finalement. Et ça serait un truc comme ça qui pourrait obliger en fait à mettre à jour la documentation. Après, le gros avantage que je vois avec RAML par rapport à faire de la notation, c'est que ça permet de spécifier son API potentiellement avant de la développer. Par exemple, dans la mission que j'ai eue récemment, il fallait qu'on voit avec le client si ce qu'on allait implémenter comme API allait lui convenir avant, parce que c'était du B2B, donc avant de l'implémenter. Et là, avec des annotations dans le code, je pense que ça aurait été assez lourd. Alors que si jamais j'avais déjà connu à l'époque RAML, ça aurait peut-être été plus simple à faire. Merci. Merci.